Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est le bazar derrière. Bella m'a fait une. Ça fait une petite surprise ce week-end. Elle nous a fait pipi sur notre lit ce week-end. Du coup, bah, toute la couette et tout. Faut qu'elle parte au lavage. Le souci, c'est que bah, ce week-end, c'était blindé. Donc, vu qu'elle rentre pas. J'ai une 9 kilos et ça rentre pas dans ma 9 kilos. Je suis obligée de l'emmener au lavage automatique. Elle a ses doudous qu'il a dans sa voiture. Donc, parce qu'il a essayé d'y aller ce week-end, mais c'était blindé. Que ce week-end il faisait super beau. Je sais pas vous, je sais pas pourquoi je garde mon casque, j'ai pas de son dedans. Du coup, il faisait super beau ce week-end. Là, on est le lundi 13. Lundi 13 mai. Ouais, c'est ça. Je suis allée faire mes courses ce matin. Il fait moche. Très moche. Il pleut, il fait tout gris. Alors que Liam est à la mer aujourd'hui. Avec l'école. Le pauvre. Autant hier, il faisait super beau jusqu'à ce que l'orage éclate. Mais ouais, le pauvre. Donc ouais, j'ai été faire mes courses. Il faut que je fasse mes soldes. Il faut absolument que je fasse mes soldes. Ça fait tellement longtemps que je les ai pas fait. Et il faut que. Il faut que je range. J'ai encore un peu de crayon à swatcher. Voilà, j'ai reçu ça. Enfin, j'ai été les chercher hier, mais ils sont arrivés avant. Bah, je vais pas pouvoir vous montrer la boîte parce que ils sont à l'intérieur. Vous voyez, c'est celle-ci là, celle qui fait un peu pop-art. Voilà. Mais je galère pour retrouver les crayons parce que bien entendu, ils ne sont pas numérotés. Hein, voilà, il n'y a rien sur le crayon. J'en ai même un qui est tout vierge. J'ai tous les, mais j'en ai un, il est tout blanc, tout blanc. D'accord. Regardez. Il a rien du tout, lui. Mais bon, bah, encore si ça servait à quelque chose qu'il y avait écrit dessus, mais non. Il n'y a pas le numéro dessus, il n'y a rien. Walou, démerde-toi. Donc, j'essaye de me démerder avec le nuancier qui est au dos de la boîte, mais clairement, non, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je trouve que j'ai beaucoup plus de marron que ce qu'il y a sur la boîte. Enfin, je sais pas. Donc là, bah, je vais leur mettre des numéros, puis. Voilà, je vais piocher dans ceux qui me restent. Et puis. Et ça sera bien. Hein, ils auront un nom. Ça ne correspondra pas, mais tant pis. Au moins, je les retrouverai. C'est casse-pied. Donc, il m'en reste encore quelques-uns à scotcher. Les Zibif. Voilà, ils s'appellent Zibif. Ouais. Chelou. Mais voilà, Zibif. Faut que je vide ma poubelle aussi. C'est plus possible. Ah oui, il y en a partout. Sinon, j'ai pas énormément colo. Mais vraiment pas en fait. Depuis. Dernier live, on a fait Coda. Que j'ai pas posté d'ailleurs. J'ai commencé un enluminure que je fais en duo avec. Oh là là. La catastrophe, hein, je vous jure. J'ai commencé un enluminure que je fais avec Diziac et Tarkovet. Voilà, donc j'ai commencé il y a quelques jours, j'ai commencé. Il faudrait que j'y retourne un petit peu. Voilà, j'ai fait un petit carré dans le petit carré coco depuis, et c'est tout, je dois dire. Ouais, Bella. C'est dingue quand même. Elle fait pipi là où elle dort. Je comprends pas l'intérêt. Enfin, c'est Doudou, il devait lui faire sa litière et puis il l'avait oublié. Donc voilà, elle se venge comme ça. Tu lui fais pas sa litière, bam, elle pisse sur le lit. Bref. Du coup, hier, il y avait le live de. Ça va revenir. Gaïoul. Du coup, j'ai vu qu'elle avait mis un nouveau défi. Challenge pour le jusqu'au mois de septembre là, 20 septembre je crois. Et le thème c'est papillon, donc ça va être super cool. Et je sais pas pourquoi j'ai une élue dans la tête. J'ai une élue d'un cycle de vie du papillon. Et pour moi c'est dans un Kirby. J'ai feuilleté tous mes Kirby, bien sûr je n'ai pas trouvé. J'ai demandé à mon encyclopédie de Kirby, c'est-à-dire Cassie McKay.
Et bah elle aussi, elle me dit non, c'est pas dans Kirby. Et du coup, bah, j'en ai trouvé un, mais c'est pas celui que j'ai en tête. J'en ai trouvé un dans le cercle de la vie, mais c'est pas celui-là que j'avais en tête. Je sais pas. Mais j'en ai un en tête d'un Kirby. Jure, ça me tracasse. J'ai regardé aussi dans les Rita Berman. Mais j'ai même été jusqu'à vous regarder dans mon Joanna Basford. Mais non. J'ai regardé dans un Maria Troll, dans le Luna, mais non. Mais de toute façon, c'est pas ça que j'ai dans la tête. Franchement, je sais pas d'où je sors ça, mais j'ai une illustration dans la tête. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je pense à ce truc et je veux faire ce truc. Donc je pense que je vais faire celui du cercle de la vie, mais je sais pas pourquoi. J'ai cette illu dans la tête, mais j'ai regardé dans tous mes Kirby. J'ai été jusqu'à regarder des flip-frous, mais je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais ça peut pas être dans du Anna Carson non plus. Je sais pas pourquoi j'ai cette. Et pas moyen de me l'enlever de la tête. Mais celle du cercle de la vie, c'est pas celle que je pensais. Je sais pas pourquoi j'en vois une un peu plus douce. Moins sans les gros traits fins. Sans la grosse branche au-dessus, là. Pardon pour les coups dans le micro. Je sais pas pourquoi. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. J'étais persuadée que c'était dans un Kirby. J'ai regardé dans tous. Ça peut pas être dans le Alien, hein, on est d'accord. Non, je sais pas. Et franchement, je sais pas. Ça me prend la tête, hein, je vous jure. C'est quoi ce livre-là? C'est ça quoi? Je sais pas ce que c'est que ça. Va falloir que ma palle. Je sais pas du tout où c'est que j'en suis, mais je suis mal barrée, je pense. Cette fois-ci, je suis mal barrée. Clairement. Parce que j'ai repris aussi la lecture. Voilà. Voilà, j'aime bien. En ce moment. J'ai terminé le Je sais pas. De Barbara Abel. Et bah, je sais pas trop quoi en penser. Ça va être sur la disparition d'une jeune fille, mais qui va être retrouvée, mais il va y avoir une autre personne qui va disparaître entre deux rangs. Et la petite est censée savoir quelque chose, mais tout ce qu'elle sait dire, c'est je sais pas. Mais voilà, je suis assez désappointée par rapport à la fin. Voilà, comme quoi les liens du sang, la famille, tout ça, est-ce qu'on peut s'y fier? Je pense pas. Voilà. Mais j'ai mis un petit peu de temps à lire celui-ci quand même, je crois. Je sais plus trop. Mais j'en ai déglingué des autres. Lui va partir. Oui. Après lui. J'ai enchaîné sur Psy Changeling, je l'ai pas là, je l'ai déjà rangé dans ma bibliothèque. Le tome 8, mais je l'ai déglingué en 2-3 jours, je l'ai bouffé. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. C'est vraiment. Ah, la transition est trop longue. Hein. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment une saga chouchou. Voilà. Pourtant. Le tome 7, j'avais essayé de le lire pendant ma grossesse de Jade et je n'y étais. J'avais pas réussi. C'était compliqué. Donc il m'a fallu le temps avant de reprendre la lecture. Vous voyez, Jade, elle va avoir 4 ans cette année. Hein, et je recommence tout doucement à lire. Mais ça me fait du bien. Donc oui, Psy Changeling, je l'ai bouffé. Truc de fou. Là, du coup, je me suis recommandé quelques tomes qui me manquaient.
Mais j'ai cru comprendre qu'il n'allait pas aller jusqu'au bout de la saga. Hein. Merci, Milady. Chiant. Ben, vous commencez à éditer une saga. Allez jusqu'au bout, bordel de Huck. C'est chiant. Parce que là, ben, j'ai plus de la moitié de la saga. Il me manque encore quelques tomes. Mais bon, là, il y en a qui vont pas être traduits. Ben... Tristesse, tristesse. Donc ouais, j'aime bien alterner entre les petits changelings et les ombres de la nuit. Mais bon, celle-ci, je suis tranquille, je les ai tous. Et la saga est terminée, donc. Donc voilà pour ça. Et après, je me suis remis là-dessus. Je l'avais entamé depuis un moment. Bah, je l'avais acheté à sa sortie. Je l'avais entamé, mais j'avais eu du mal à continuer. Voilà, tout ce qui est romance, j'ai un peu plus de mal. Pourtant, c'est ce que je lisais le plus avant. Et maintenant, j'y arrive plus forcément. Voilà, je hausse les yeux au ciel. Enfin, ça, là, ça a été. Mais les autres romances basiques de chez Hugo, je... Voilà. Parce qu'ils sont tous parfaits, ils ont tous plein de pognon, ils ont un gros gag. Voilà. Et j'en peux plus de ça, j'en peux plus. Voilà. Là, ça va être une romance de Noël. Je sais plus comment elle s'appelle. Manon. Voilà, elle, bah, comme à chaque Noël, elle retourne dans sa famille. Je crois que c'est dans le Jura, me semble-t-il. Mais le Jura montagne, hein, pas là où moi j'étais. Donc ouais, elle retourne dans sa famille et à chaque fois, ils n'arrêtent pas de la saouler parce que ah, t'as pas de copain, nanana. Donc là, cette année, elle a envie, bah, voilà, d'arriver accompagnée. Donc elle va se payer un escort boy, hein, un truc du genre. Mais bah, voilà, il va être malade, du coup, il va pas pouvoir venir. Donc, elle va tomber nez à nez avec son ex, machin, et du coup, bah, elle va y aller avec son ex, qui n'est autre que son... C'était son voisin d'enfance. Donc, voilà. Il habite juste à côté de la maison de ses parents, bref, ils se connaissent tous. Vous savez comment ça va se terminer, vous le savez, vous le savez. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Même si c'est pas forcément Noël maintenant. Mais ça m'a pas dérangé. Et ouais, ils sont très, très branchés Noël. Moi, beaucoup, moi. Un peu, mais moins. Vraiment, moins. Et la mère de Manon, c'est une folle. C'est le genre de maman parfaite. Là, vous voyez le genre? Voilà. Sa maison est toujours nickel, il y a toujours du café de prêt, il y a toujours des petits gâteaux, il y a toujours tout en abondance. Voilà. Il y a tout. Il y a tout. Maman parfaite. Voilà. Ce n'est pas... J'en suis très, 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 très loin. Mais ouais, j'ai bien aimé cette petite romance de Noya, de Ludo, de Bauer. Bauer? Bauer? Bauer. Je pense que c'est Bauer. Il a voulu faire un petit clin d'œil à la série 24 heures chrono, je pense. Hop! Oui, ce n'est pas son nom. Et en ce moment, je suis en train de lire In the After, avec l'accent. De Demetria Luneta aux éditions Lumen. Ça fait un bon moment que c'est dans ma palle, hein, franchement. Moi, ma palle, elle est pleine de reliques. J'ai envie de vous dire maintenant que. Voilà. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas lu. Ça fait tellement longtemps que j'amassais des livres et tout. Donc, bah, j'ai des reliques dans ma palle. Et bah, pour l'instant, j'aime beaucoup. Vous voyez à peu près où j'en suis. J'arrive bientôt à 50%. Si je ne le suis pas, je pense que je dois y être. Et là, ça va traiter d'invasion alien. Voilà. On a une jeune fille, Amy, qui va se retrouver seule. C'est un petit posta jeunesse. Et bah, pour l'instant, j'aime beaucoup. Mais bah, comme souvent, l'être humain va m'énerver, je pense. Ça commence à arriver là. L'être humain, voilà. Ils veulent voilà, être intelligents, beaucoup trop intelligents. Ils veulent régir un peu tout. Et... On fait souvent du caca. Voilà. Donc pour l'instant,
Un à moitié. Je me suis pris. J'ai pas le deuxième en format papier, donc je me le suis pris en e-book. Même si je pense pas que je vais le lire directement après. Je vais essayer de. Faudrait que je le remette dans un quota. Parce que j'ai lu le premier il y a un petit moment. J'avais commencé le deuxième, mais je sais pas pourquoi j'ai pas continué. Mais je sais que le 2, il est pas ouf. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, je me suis fait, oh, bon, allez. Mais il va falloir que je me force un peu et que je lise le tome 2. Je me mettrai un autre petit truc entre et après je retournerai dans la suite In the End, je pense. Bref, en ce moment, j'aime bien la lecture. Ça fait du bien. Aujourd'hui, du coup, j'étais en course. Je me suis racheté un porte-vue pour mettre mon tome 11. Taz va me défoncer, mais voilà. On est habitué au coup de savate, écoutez. Habitué. Donc là, je vais ranger mon tome 11. Je voulais au départ me m'acheter un A3 pour que les doubles pages soient l'une à côté de l'autre et tout. Puis finalement, OZEF. De toute façon, si je les doubles pages, je vais les afficher. Voilà, elles seront pas dans le porte-vue, donc ça change rien. Voilà, quel temps de merde. Mais vraiment. Donc ouais, je vais mettre ça en porte-vue, finir de faire mes swatchs. Et puis bah voilà, après ça sera un ménage. Et puis voilà. Je sais pas trop s'il va y avoir des lives ou pas aujourd'hui. Moi normalement demain. Normalement, il n'y a pas de souci demain. Je n'ai pas de rendez-vous. C'est mercredi, ça va être une journée de fou mercredi. Mercredi matin, j'ai rendez-vous de 9h30 à 12h30. Du coup, il faut que j'emmène les enfants chez papy-mamie. Après, il faut que je les récupère parce que Jade, elle a rendez-vous à l'ophtalmo à 13h45. Et après, il y a ma foot. Ça va être sympathique. Et le soir, ils vont être infernaux. Elle leur a pas fait de sieste. Ça va être. Ah, et Doudou, il va aller au tir à l'arc. Oh, je suis avec eux toute seule toute la journée jusqu'à plus de 20h. Oh, ça va être coton. Oh, va falloir que je m'isole, je pense. Parce que. Ça va être compliqué à dos. Mais vraiment. Bah, je suis déjà contente. C'est pas moi qui vais devoir mettre les gouttes dans les yeux de Jade. Mais bon, est-ce que ça va être bien fait? Là, j'appréhende. Parce que oui, avant son rendez-vous à l'ophtalmo, il faut qu'elle ait des gouttes tous les 15 minutes. Ouais, c'est ça, tous les quarts d'heure avant l'heure du rendez-vous. Donc déjà, rien que le trajet en voiture, ça va être sympathique. Je vais pas m'arrêter sur la rocade pour lui mettre des gouttes, en fait. Ça va être mignon. Ça va être mignon. Donc voilà pour le petit rush du jour. J'ai posté là dernièrement. Oui, c'est hier, j'ai posté sur Insta. Truc de fou. Là, vous me revoyez plus pendant 2 mois. Non. Oh, c'est vrai que. Oh, ça fait du bien. Pardon. Mais ouais, je suis pas celle qui. Voilà. Celle qui poste le plus régulièrement possible, non. Ce n'est pas. Je suis sûre qu'il y en a, elles ont des plannings. Ou même elles programment leur poste, peut-être. Je sais pas. Je sais pas comment on fait ça. Bon, j'ai déjà mis un fond, je me suis déjà. Hein? Ouais. Bref. Je vous fais des bisous et je vous retrouve bah, demain pour le prochain rush. Jusque-là, prenez soin de vous. Hein? Voilà. À plus dans le bus. Et du coup, nous sommes. Quinze heures quarante-cinq. C'est quelle heure du coup le rendez-vous? Oh là là, elles sont chaudes. 15h45 l'entraînement demain. Bon, bref. Notification. Non. Ça, voilà. Je disais, on est mardi 14 mai. Vous voyez très pâle, machin, tout ça, c'est parce qu'il fait moche dehors.
Voilà, quand il fait moche dehors, on a une super luminosité. Va chercher à comprendre. C'est toujours le bordel sur mon lit, toujours. Puis on a un chien. Ah, si vous la voyez là, regardez, elle va me choper le doigt. Vous voyez? Elle va me choper le doigt. Elle a voulu me choper ce matin quand j'étendais mes chaussettes. Ah, quelle idée j'ai eue de mettre mon étendoir à côté de son arbre à chat en même temps. Quelle idée d'empiéter sur son espace vital. Du coup, aujourd'hui, on fait un live à trois. Normalement. Dizziak, Taz et moi. Je sais pas du tout ce que je vais faire pendant le live. Hier, j'ai fini de swatcher la dernière boîte arrivée là de crayon acrylique. Hop, celle-ci là. Voilà, j'avais reçu celle-ci. Je l'ai trouvée sur Vinted pour 18 balles. Donc voilà. Neuve, hein, est encore sous blister. Donc bah je suis en train de. Il faut que je les classe par couleur, machin, machin, pour après les remettre sur ma petite tige là. Mais c'est pas ce que je préfère faire. Déjà que j'ai été bien en galère pour les swatchs. Parce que ils ne sont pas numérotés. Soit on a un nuancier, mais la galère pour retrouver lequel crayon est lequel, en fait. Donc à la fin, j'ai fini par mettre juste le nom du crayon. C'est des Zbif. Ouais, ils s'appellent Zbif. Voilà. Donc j'ai mis ces Zbif, un numéro et basta. Sur les. Il m'en restait peut-être 4-5. Voilà, les derniers, je ne trouvais pas. Donc voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à les trier bah, tous ensemble. Là, j'ai des Wifescent, j'ai les Tulis, les Actions, les Gangnam. Voilà, faut que je les classe par couleur. Et puis après, bah, je les remettrai sur ma tige. Voilà ce qu'il faut que je fasse. Hop. Et donc en live, je sais pas si j'attaque un nouveau colo. J'aurais voulu faire Hercule, mais il faut commencer à partir du 15. Ça me ferait commencer un jour avant, ça serait pas bien, ça serait tricher, non? Qu'en pensez-vous? Pour le challenge, le colo, les JO du colo, c'est ça? De Kiran? Sur Twitch. Donc, je sais pas, ou sinon je vais prendre un bouquin qui est dans ma palle. Dans ma palle, dans ma pack. Je me mélange les pinceaux maintenant. Entre lecture et colo. Ça va être beau. Donc ouais, je sais pas. J'ai toujours pas rangé mon tome 11 aussi, il faut que je fasse ça ce matin. Enfin ce matin, il est déjà 11h50. Mais bon, j'ai déjà mangé. Ouais, j'ai mangé tôt comme ça, je suis tranquille. J'ai passé mon aspi vapeur ce matin. Bah, ça faisait longtemps que je l'avais pas sorti. Et bah punaise. J'ai eu chaud. Très chaud. Alors, qu'est-ce qu'on fasse? J'ai vraiment une lumière qui est là. Oupsi, c'est tombé. Donc, peut-être ouais, continuer celui-ci, peut-être en début de live, et puis basculer sur autre chose, peut-être après. Mais ouais, faudrait que je m'y remette un petit peu à celui-ci parce que je suis pas depuis combien de temps? Quelques jours, là peut-être 3 jours que j'y ai pas touché. Ah, puis il y a le. Non mais je fais comment pour faire la version miniature là? Vous avez vu, c'est pareil en plus petit. Waouh. Et bah je sais pas si ça va pas être gesso noir ou quelque chose dans le genre. Hein? Faut que je voyais avec les filles. Oh, putain, ça a tout bavé là, je sais pas ce que c'est. Moi normalement, enfin, généralement les enluminures, j'y touche pas. J'en ai fait qu'un, celui-là. J'ai fait Rogue. Qui est pas très loin normalement. Bon, ça c'est une double page. Là aussi, c'est pour ça que ça dépasse. Ah. Non. Je le retrouve. Bah t'es où, Rogue? On l'a vu là. J'y touche pas. Donc je sais pas.
Non, je pense pas que je vais toucher aux enluminures. Leur donner peut-être un petit coup de peps en remettant un petit peu de doré à l'intérieur, je sais pas. Mais non, normalement, j'y touche pas. Est-ce que j'ai normalement, je l'ai l'image, comme ça je pourrais la mettre à l'écran aussi. Ah, ma cam, ça faisait longtemps qu'elle avait pas. Qu'elle avait pas bugué. Pour l'instant, je suis pas floue, c'est bien. Tant que ça fait ça, je m'en fous encore un peu. Mais que quand je la relance, elle devienne floue, là, ça me saoule. Et j'ai dû la débrancher hier. J'avais rendez-vous visio avec ma banque, et mais elle a pas voulu marcher de toute façon. Elle a dit no way. Je m'en fous de ta banque. Moi, je veux filmer pour le colo, pas pour le reste. Donc ouais, je pense que je vais continuer celui-là. Et faire un autre truc. J'ai quoi dans ma pack? Celui-là? Non, c'est pas celui-là. J'ai des carnets, mais de partout. De partout, j'ai des carnets. Elle est là, ma pack. Alors, Kirby, j'ai fait hop, un petit Maria Troll. Galerie de portrait. Un Anastasia Eli Koldareva. Coloriage Teens. Rita Berman. Sakwems, Sarah Richter, Cercle de la vie. Ou sinon, ouais, peut-être commencer le Cercle de la vie. Gaël a donné. Je sais plus si je vous l'ai dit hier. Oui, si, je vous en ai parlé du fameux colo là qui me hante. Donc je vais peut-être commencer ça. Mais c'est pas celui-là. Hein. J'en ai vu un autre. Je sais pas. C'était pas celui-là. Je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Hein. Mais bon, je ferai peut-être celui-là sinon. Bon voilà, vous, j'espère que ça va. Hey, bah dis donc. Bien dormi. C'est cool. Ouais, je vais trier ça. Oh là 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 là. Remettre les verres avec les verres et repartir du plus clair au plus foncé. Ou... Ah, you know what I want, what I mean. What you do, what J'espère que j'en ai pas une qui traîne je ne sais où. Ça, c'est le truc. Et puis qu'une fois que je l'ai fermée, il va falloir toujours ouvrir. Et puis que. Je sens le truc. La rasera. Elle est pas loin. Ah, c'est de la faute à Bella, ça. Hein, Bella. Pouh. Alors, si on mettait un peu de lumière aussi. Ouais, on va ranger ça et puis. Hop. Je vais vous mettre en accéléré. Et je me demande si je mets pas les rouges avec les roses. Attention, ils vont tous être à la suite. Je suis neuneu aussi, moi. Mais si je vais commencer par quoi? Par les jaunes. Non, c'est comme ça qu'on commence, non? Me semble-t-il. On en a des plus clairs ailleurs. Hein. Pour l'ophtalmo de Jade, enfin. Après mes déboires téléphoniques, le rendez-vous est enfin là. Et du coup, bah, c'est papy mamie qui vont gérer les gouttes dans les yeux. là. Mais celui-là, je sais pas ouais, si je les mets là ou si je les mets. Je sais pas. Bah ouais, celui-là, il fait ce. C'est pas loin, hein. Allez. Toi. Hop, on va déjà mettre ça sur la tige. Hop, voilà. Et après le rendez-vous, on rentre. Il faudrait que je mange un bout. Et puis, ouais, puis on va se poser un petit peu, je pense, avant l'entraînement de Liam. J'ai hâte de encore me faire le coup. Je vais pas y aller.
J'irai juste déposer Liam et puis après, retour à la casbah. Du coup, c'est les nuanciers Panorama Mix. Je mettrai le lien dans la barre d'information si jamais ça vous intéresse. Des petits nuanciers comme ça. Voilà, je trouve ça bien pratique pour les feutres acryliques. Après, qu'est-ce qu'on met? On a le violet. J'ai pas mis de violet. Violet bleu, vert, marron. Allez, on fait ça. Bon, allez, je vous laisse là et puis je referai un rush quand j'aurai fini. Basta. RE, du coup, la boulette à faire, je l'ai faite. J'ai acheté un porte-vue de 80 vues. C'est du recto verso, meuf. Bilan, bah. Puis en plus, je l'ai mis, je me suis. Comme une con, j'ai mis les premières pages, même si bah, celle-ci, il faut que je la mette. Mais faut qu'elle soit de ce côté-là, sinon la double page, elle n'a pas eu lieu d'être. Mais bon, bah, tout ne rentre pas dedans, du coup. Bref, c'est moi. Hein? Je vais encore plus me faire engueuler par Taz. Tu vois, t'avais qu'à attendre. Je l'entends d'ici. Du coup, bon, bah, c'est quand même fait, hein, voilà. C'est pas grave. Hein? Il y a pire dans la vie. J'ai fini mes petits. Mais voilà, c'est vraiment serré là maintenant. Hein, donc non, mais de toute façon, Taz va m'envoyer des petits des anneaux. Ça sera plus simple avec des anneaux. Et je classerai par couleur, je pense. Je sais pas trop. Mais bon, c'est fait. C'est fait. Je vous ai coupé l'audio parce que du coup, je suis sur Twitch sur un live. Live de DJ Mick. Bref. Je vais aller me faire mon café. Et ranger un peu. Pour préparer le live. Voilà. Moi, je vous retrouve du coup pas jeudi matin. Ouais. Oui. J'ai le coup de barre. L'aspirateur de ce matin, il a été mortel. Le fait de pousser le canapé et tout là, ça a été. Puis j'ai pas un canapé qui pèse rien en fait. Il est massif. Bilan, c'était compliqué. Donc voilà. Je vous fais des bisous et puis voilà, on se retrouve tout de suite pour vous, mais pour jeudi pour moi. Ciao! Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça m'a l'air. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 mai. Le point météo du jour, bah, il pleuvait bien fort ce matin et là, ça s'est calmé. Donc ça serait bien que ça se maintienne comme ça parce que les enfants, ils ont crosse demain. Voilà. Donc ça serait sympathique que ça s'arrête. Sinon, depuis mardi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu ma matinée de rendez-vous, machin, machin. Ça s'est bien passé. J'ai pas eu de contre-coup après, donc ça va, je suis contente. Même si, bon, les enfants étaient un peu relous. Jade a eu son rendez-vous, son fameux rendez-vous à l'ophtalmo, et comment vous dire que, voilà, il lui faut des lunettes assez rapidement. Elle est. C'est quoi qu'il m'a dit? Hypermétrope? Je sais plus. Bref, elle a son œil gauche. Enfin, il y a les deux yeux, mais surtout l'œil gauche qui a beaucoup de mal à fonctionner. Voilà. Donc, elle est obligée de forcer, forcer, forcer.
dessus. Et l'œil droit, c'est pareil, il n'est pas au top non plus. Et du coup, bah ça. Hein. Et là, il me dit heureusement qu'ils ont fait la. Que des orthoptistes sont passés à l'école pour. Mais bon, j'aurais dû voilà, prendre le rendez-vous beaucoup plus tôt. Voilà. Mais bon, soucis d'anxiété, tout ça avec le téléphone. Voilà, moi qui suis pas très bien, c'est un peu problématique. Voilà, ça a été un peu problématique. Donc bah là, elle a eu son rendez-vous. Et direct derrière, je suis allée à l'opticien, du coup, pour mettre en commande des lunettes, du coup, qu'elle aura dans sous 8 ou 10 jours. 8-10 jours, voilà. Et après, bah, elle devra porter ses lunettes tout le temps. Donc oui, il a peur que son œil gauche arrête de forcer et qu'il finisse par boucher, quoi. Donc elle a un gros risque de strabisme. Elle qui a des yeux si magnifiques. Bref. On va tous porter des lunettes à la maison, à part Liam. Liam n'en a pas besoin, lui. On avait tous été en août dernier passer un bilan, machin. Et Liam, bah, c'était la première fois qu'il y allait. Il a 7 ans, donc voilà. Puis il s'est jamais plaint de ses yeux ou quoi que ce soit. Jadou non plus, donc c'est pour ça. Détecter à cet âge-là, c'est un peu compliqué. Elle va pas te dire qu'elle a mal aux yeux, elle va pas te dire qu'elle a mal à la tête. Ou non, tu lui poses des questions, mais elle comprend pas forcément ce que tu lui demandes. Donc, mais bon, là, on a dû mettre des gouttes tous les quarts d'heure, l'heure précédant l'heure qui précédait le rendez-vous. Ça va, elle a pas été trop relou finalement. Ça a été. Et bah du coup, elle a vu flou toute l'après-midi, elle voyait flou, quoi. Et là encore ce matin, je trouvais ses pupilles encore vachement dilatées. Donc je sais pas si ce matin, elle n'est pas encore en mode flou, quoi. Je l'ai pas dit à la TSEM. Bref, ça s'est bien passé. Mais du coup, Liam n'est pas allé au foot. Parce qu'il a voulu rester chez papy mamie. Il m'a fait une vie, il ne voulait pas partir hier. Du coup, je suis allée toute seule au rendez-vous avec Jade et toute seule du coup à l'opticien. Puis après, seulement on a été les récupérer. Mais ouais, non, ils veulent pas y aller. Puis une fois qu'ils y sont, ils veulent pas repartir. Enfin, c'est. Du coup, école ce matin. Mais ouais, il pleuvait, mais la rabasse. Du coup, je les ai bien habillés. Et puis mon micro-manteau. Tant pis. Sinon, niveau colo, je sais pas si je vous le montre. Bon, je vais quand même vous le montrer. Je suis sur le défi challenge. De Gaïoul, Gaïoul Katsu. Donc c'est le thème, c'est papillon. Donc du coup, bah, j'ai choisi cette double page dans le cercle de la vie, même si c'est pas dans celui-ci que je la voyais. Bref, je pense à un cycle du papillon, mais je sais même pas si c'était dans ce sens-là. J'avais l'impression que c'était dans l'autre sens. Bref, j'ai un truc dans la tête, je sais pas, j'arrive pas à m'enlever, mais. Je l'ai retrouvé dans aucun de mes bouquins, donc je sais pas où j'ai vu ça, mais bref, je pensais que c'était du Kirby en plus, mais bref. Donc je fais ce cycle de papillon. Sinon, bah, j'ai avancé l'autre jour en live mon Harry Potter. Pardon, pour le coup dans le micro, c'est gratuit. Voilà, donc je l'ai un peu avancé, bah, j'ai fini le monsieur là. Le gentilhomme, faudrait que je revoie parce que là il manque un trait où c'est pas, ça va pas au niveau de la chemise et de la montre ou de la veste, il y a quelque chose qui va pas. Donc faudrait que je regarde ça. Voilà. Ça va, j'aime bien le pantalon et la veste. Par contre, il pourrait s'habiller dans d'autres teintes un peu le monsieur là. Hein? Peut-être fan du rouge, écoutez. Bon, enfin, je continue. Aujourd'hui en live. Je pense que je vais commencer le challenge les JO du colo de Kiran. Je pense que je vais commencer ça et je vais faire le Hercule dans le grand carré portrait. Je pensais que c'était le colo du mois, mais je suis toujours en retard. Donc voilà, je vais faire ce Hercule-là. Mais normalement, ce mois-ci, c'est Cusco, je crois. Bref, je suis en retard. Voilà. Donc ouais, je ferai sûrement Hercule cet après-midi en live. Tout à l'heure, ouais. Je vois une copine à 11h. Moi, je vais avec elle, ça va faire du bien. Hop.
Tirons-nous, les amis. Ça fait du bien. Donc, ouais, je vais continuer ça. Hier, j'ai reçu un message bizarre me disant que j'avais un colis dans la boîte. Je fais bon, d'accord, j'ai rien commandé. Mais bon, c'est mes cadeaux d'anniversaire qui commencent à arriver. Donc, ça, je sais que c'est de la part de Sœurette. Je sais pas quand je vais les ouvrir cette année. Parce que ça tombe lundi. Le lundi de Pentecôte. Et je sais pas si j'aurai tout reçu. Je sais pas déjà qui m'envoie quoi, donc et quand. Donc voilà, je sais pas. Je verrai. Je sais que Doudou, il va me prendre une paire de Puma, j'en ai vu des belles à... C'est Intersport? Je crois que c'est Intersport. Bref, il ira sûrement samedi me chercher une paire. Il y a plusieurs modèles qui sont pas mal. Donc voilà. Vu qu'il veut rien m'acheter au niveau colo. Moi, je voulais m'offrir mes Lightfast, mais voilà, j'ai mon écran qui m'a lâché il y a peu. Bilan, bah pas de Lightfast. Je me suis payé un écran. Waouh. Super. Hier soir, j'ai joué un petit peu à Dreamlight Valley. Y a Papy qui joue en ce moment et il m'a redonné un peu envie d'y retourner. Puis bon, il y a la nouvelle mage aussi. Mais bon, j'avance doucement et sûrement. Bon, moi je joue sur PS5. Et ouais. Doudou l'avait pris sur la PS5, donc. De toute façon, en même temps, je sais pas si mon PC supporterait le jeu. Hop, j'ai dépassé. Hier après-midi, après la sophrologie, j'ai fait que, enfin même pendant la sophrologie, j'ai fait que bailler, que bailler, que bailler. Pourtant, j'ai l'impression que je dors mieux, mais je sais pas, mon sommeil doit pas être récupérateur ou je ne sais pas. Parce que ouais, je suis en mode bailliage. C'est la rainure. C'est vraiment relou, hein. Il va vraiment falloir qu'il trouve un truc pour que ça le soit moins. Franchement, il faudrait qu'ils essayent de trouver quelque chose. D'ailleurs, là, il y a un... la feuille, là, elle ne matche pas avec l'autre côté, là. Il manque un bout, là. Vous voyez rien, mais... On a bien le bout de la partie là, mais celle-là, on l'a pas, là, le bout de la feuille. Faut que je retravaille encore mon tronc. Je sais pas, je sais pas... Je suis pas satisfaite. Avance. Hop. Voilà. Donc ça tombe bien, celui-ci, il est dans ma pack. Que dis donc là, la PAC elle avance pas de foufou. Ça c'est un feu, c'est de la feuille. Non, c'est pas de la feuille, ça c'est du vide. On va dire. Bon, c'est mieux comme ça. Mais oui, votre bailliage.
Les mousses, elles sont dans un état. Mais bon, hein? Voilà, jusqu'au bout. Hop. Il y avait la piscine en plus ce matin. Je voulais lui préparer son petit goûter du matin, même s'il n'a pas le droit à grand-chose. Mais il voulait un kiwi au départ. Il fait: Ah bah non, finalement, maman fait pas parce que j'ai piscine. Donc on n'a pas le temps de rien manger. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas le temps de manger. Ils rentrent, ils vont directement à la cantine. Puis qu'ils n'ont pas le droit de manger dans le bus. Voili voilou. J'espère qu'il a rien oublié dans son sac de piscine parce que je l'ai laissé faire. Ce matin, j'ai dû râler, râler, râler plusieurs fois pour qu'il se bouge, pour qu'il se prépare et tout. Mais non. Liam, il était sur son lit, il attendait. Je fais: Tu fais quoi là? Oh, je sais pas comment m'habiller. Bah, d'habitude, t'as pas de soucis pour t'habiller, tu t'habilles n'importe comment, mais ça passe. Non, non. Du coup, je lui choisis des vêtements, mais il est encore pas content. Bah, il y a un moment, non, bah, c'est soit tu mets ça, soit tu mets rien, en fait. J'ai vu quand j'ai sorti le pull qu'il a tiqué, j'ai compris tout de suite qu'il voulait pas le mettre. Et bah, il l'a quand même mis. Mais j'ai dû râler, hein, parce qu'il avait mis. Il l'avait pas mis, mais il avait mis son gilet polaire. Je lui ai dit: Non, non, tu mets un pull. Il fait moche, il pleuvait mais rabasse. Du coup, on n'était pas en avance ce matin. Mais non, ça ronchonne pour se laver les dents. Oh là là, ça se chamaille. Elle m'a craché dessus. Oh là là. Ils sont usants. Je sais pas les vôtres, mais alors, les miens. Je sature. Va vraiment falloir que je m'en prenne en backup. Pour moi, là, il est petit, là. Falloir que je regarde les drawings qu'il faut que je reprenne. Celui-là, il est quasi neuf. Mais ouais, il faut que je me reprenne du backup. Bah, depuis le colobel, voilà, ça a fondu mes drawings. C'est étonnant. Je suis pas encore fan de mon effet bois. Franchement, il y a encore du travail. Hein. Pas. Non. Je sais pas si la partie ouais, la partie là est pas mieux que le reste. Enfin, je sais pas trop quoi penser en fait.
Je sais pas. Lesquels? C'est utile, c'est celui-là. Peut-être en remettre un peu. Ouf, je sais pas. Plus du foncé que du. J'aime pas quand on voit encore le grain du papier. Pardon. Voilà. J'ai pas trop fait gaffe aux prochaines sorties de coloriage Teens là. Depuis le Stitch là qui me disait rien. J'ai pas trop fait attention si on avait d'autres prévus. Mais de toute façon, normalement, juin c'est no buy. Voilà, on va soutenir les copines de chez Kiran. Voilà, il y a beaucoup à faire le no buy en juin. Donc voilà, et si on ne le tient pas, voilà. Go faire une double page Kirby en monochrome. Voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, je sais pas s'il y a des prochaines sorties. De toute façon, après l'été, ça va se calmer. Normalement, il n'y aura rien. Sais pas s'il y en a un. Moi, ça, c'est le dernier. Le Atelier Teens, je dessine Stitch. Moi, il ne m'intéresse malheureusement pas du tout. Les pas un pas, c'est pas pour mouer. Alors, c'est quoi le prochain? Scène d'action. Bah, ça ne me vend pas du rêve. Ça paraîtra le 26 juin. Ok. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de visuel, il n'y a rien du tout. Mais voilà, scène d'action. Et manga. Celui-là, il paraîtra en août. Disney manga. Bon, bah, à voir ce que ça donne celui-là, par contre. Disney manga? Ouais, je préfère acheter ceci. Parce que, bon, bah, même, enfin, je sais pas, niveau Bodoni, là. Le. Comment il s'appelle, là, celui qui va sortir, là? Celui de Tracy de Souza? Comment je peux mettre Bordoni? Achetiro. Voilà, le Disneyland Paris là. Non merci.
Non, merci. Ah, le détail, c'est vraiment pas pour ma gueule. Pardon, pour moi. 90 coloriages. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop détaillé. Mais ah, moi, je peux pas. Puis ça me fait penser à l'autre qui était déjà sorti, là. La couverture, elle est dorée ou je sais pas quoi. Mais non, c'est vraiment pas. Non, c'est pas du tout. Mon truc. Non. Ouais, je sais pas ce qui est prévu prochainement. Chez T-Rose. Parce que même chez eux, tu le vois pas, je pense. À grand carré, Disney Métamorphose. Ça, c'est. Ça me fait peur. Pour la sortie au mois de juillet. Bah, je croyais qu'il sortait rien au mois de juillet, août, là. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Normalement, les maisons d'édition, elles travaillent pas, là, en juillet, août. Donc, grand carré Disney Métamorphose. Jean-Luc Guérin. Déjà, rien que le grand carré, là, Mystère Portrait. Bon, non, merci, quoi. Ah non, c'est trop simplifié, trop. Non, non, là, j'aime pas du tout. Les inspirations, j'aime pas du tout non plus. Beetlejuice, le livre de coloriage officiel, en mois de septembre. Alan Robert. Je sais pas qui t'es, Alan Robert. Le mandala baby, Burke. De toute façon, les mandalas. C'est pas mon truc. Du tout. Le Tales, là, je sais pas. Non. Ça, c'est quoi? Hogwarts Legacy, le livre de coloriage. Au mois de septembre. Voilà, le 18 septembre sortira le Hogwarts Legacy. Ça, à voir. Franchement, celui-là, peut-être à voir. 12,90. Mais de toute façon, ça va être du papier de brun. Je pense. Là, on est quoi? Évasion. Dans l'Ouest américain. Bah, ça sera sans moi. 4 septembre. Bam, bam. Petit peuple de la forêt, pas ça, je crois. Fée farfadée. C'est sorti quand ça? Je sais pas. Ça me dit rien. Bah écoutez, ça c'est quoi? Twisted Wonderland. La maison. Earth. C'est quoi ça? Mais c'est pas du coloriage ça. Oh, ça c'est en espagnol. Ouais, niveau. Ils sont pas assez terribles. Hein. Amazon. Niveau des mots-clés, c'est pas ça. Hein. Non, il n'y a rien de bien. Folichon. Mais là, ouais, Disney Manga, à voir, chez Colorias Teens. Je crois que je vais aller jouer un petit peu à Dreamlight avant de partir. Pour aller voir ma copine. Moi, ouais, je crois que je peux le faire, même avec des petits. Faites du bruit, messieurs, mesdames, là. Enfin, messieurs, dames, messieurs. Hop. Oui.
Bien. Non, je pense que ça pourrait rentrer pas mal. Par contre, les papillons, je sais pas dans quel teint de partir. Si je fais violet rose ou un bleu turquoise. Bleu turquoise vert. Je sais pas encore. On va chercher des inspirations sur Pinterest, hein. Pinterest. Non. Pinterest. Je fasse les feuilles. Je trouve un bon bout de feuilles. Je sais pas que ce soit un vert flashy. Voilà. Donc moi je vous laisse là. Je vous récupère demain. Demain matin. Voilà. Je vous fais des bisous. Bah tout de suite pour vous. Et du coup aujourd'hui on est le 21, mardi 21 mai, c'était mon anniversaire hier. Voilà, donc aujourd'hui je vais faire le stream, mon stream anniversaire. Pas stream anniversaire de stream. C'est clair ce que je dis ou pas? Il fait un temps de merde, bien entendu. Ça va, il faisait bon hier. C'est ça en fait, un jour ou 2 jours de beau temps, après, poup, tu le payes. Ici, c'est comme ça. Du coup, ouais, hier c'était férié, mais Doudou il travaillait, donc j'avais les petits. J'ai pas, ouais, je pouvais pas streamer ou quoi que ce soit. D'habitude le lundi c'est jour de course. Du coup je les ai faites ce matin. Ouais, il fait un temps mais pourri. C'est vraiment limite, on se croira en automne là. Franchement, il y a encore de la brume et tout. Ok. J'ai pas. Je pense que le micro, il est peut-être un peu fort là. Je sais pas. Bah comme ça, vous n'êtes pas obligé de mettre tout le temps à fond. Pour celles qui sont sur la télé, ça sera bien. Enfin, surtout sur le téléphone, parce que le son, il est toujours médiocre, j'ai l'impression. Moi, quand je regarde un stream ou quoi, t'es à fond, mais t'entends pas grand-chose, quoi, quand tu veux faire autre chose. Mais vous le voyez de toute façon qu'il fait moche, là, je suis toute blanche. Je sais pas si je peux modifier ça. C'est celle-ci. De toute façon, elles n'aiment pas trop qu'on les tripote, celles-ci, hein. Balance de blanc. J'enlève. Oh là là! Non, bah non, en fait, on va laisser balance de blanc, hein. Mon Dieu! Non, on va laisser comme ça, hein. Voilà. C'est pire que mercredi, après. Non, ce week-end, j'ai pas forcément colo. Parce que bah, je suis toujours sur. J'ai mon Harry Potter en cours, j'ai mon Cercle de la vie en cours. Bah, l'Atlantide, voilà. Je pense qu'il va rester en cours encore quelques années. Non, mais je vais vous montrer. Ça va être toujours le bordel sur mon bureau. D'ailleurs, il va falloir que je range un petit peu, hein, d'ici le live. Ouais, j'ai fait du swatch. J'ai swatché mes petites palettes. J'ai ma Van Gogh et. D'ailleurs, elle est où ma Van Gogh? Ah, elle est là. Van Gogh et ma Derwent pastel. Ils sont vraiment chelous ceux-là. On dirait vraiment que c'est de la craie ou. Enfin, c'est trop bizarre. Et ma Van Gogh. Du coup, j'ai noté parce que. J'en ai un qui n'a pas de numéro. Je crois que c'est celui-là. Il n'y a pas de numéro dessus. Ou peut-être deux. Bref. Mais je vais voir. Là, je les ai swatchés. Je verrai bien si je les utilise ou pas. Parce que je les utilise pas en fait. Plus vraiment plus godet et surtout supervision. D'ailleurs, j'ai trois supervisions que j'ai swatchées aussi et pas moyen de trouver leur nom. Celui-là, je soupçonne que c'est le Warbler Brown, mais je ne suis pas sûre. Donc, je les avais achetés sur Vinted à une nana qui faisait qui les mettait en godet en fait. Mais toutes les autres, j'ai trouvé. C'est mes supervisions qui sont pas paillettes, pas dorées, pas machin. Voilà. Ça, c'est juste. Voilà. C'est les premières que je m'étais achetées de supervision. Mais j'ai celle-ci, je trouve pas. Et galère pour trouver des nuanciers ou quoi sur Internet pour les supervisions. Je sais pas. Déjà, là, tu les trouves plus sur Amazon. Les supervisions, il n'y en a plus.
Il faudrait que je regarde peut-être sur Amazon Canada ou... Mais galère pour trouver. Puis d'ailleurs, c'est quel... c'est Supervision. C'est la marque Supervision. Il y a un nom quand même. Il est où, monsieur? Oh là là. Les... Ça communique là. Ça communique entre le. Celui du dessus et celui du bas là. J'ai l'impression. Non? Celui-là, il gêne. Oh là là. La place du tri. C'est impossible. Il est où? Le tube. Le tube de supervision. C'est vide, pourquoi? C'est trop le bazar. Non, je sais pas. Je sais pas, mais il est prête là-dedans, mais... Pas de ce côté. Non. Ah, il est là. Supervision, d'accord, mais il n'y a pas du tout de marque. China Hangzhou. Zhong Cultural Good. Light Finance Série 5. Mais non, tu galères, il n'y a pas de site. Je trouve pas de site supervision. Je sais pas. Bref. Galère. Galère, galère, galère. Tu fais pas de bêtises, toi, hein? Elle a pissé par terre ce matin. Mais je sais pas, elle devait être sur le lit et elle a tendu ses fesses en arrière et a fait pipi par terre depuis le lit. Voilà. Il y avait quelqu'un aux toilettes en même alors qu'elle avait envie. Voilà. Parce que madame a sa litière dans les toilettes alors qu'elle a toute la nuit pour y aller. Bref, oh, ce matin, super le réveil. J'ai pas déjeuné. Et je suis allée en course. J'ai déposé les enfants à l'école, puis après, bah, je fonce en course. Donc, ouais, les Van Gogh. Ouh, je mets du chocolat, moi. Oh! Voilà. Du coup, ouais, j'attends de voilà, trouver ces trois-là pour pouvoir les plastifier. Ah, je vous jure. C'est pas possible! Ah là 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 là. Hop, allez, ça c'est good. Je vais ranger un peu mon bureau aussi parce que ça va être l'anarchie aujourd'hui. Je vais chouiner, mais pas possible. Ah, là, ah, là. Vous voyez? Ça va être. C'est sûr, ça va faire comme les mes marqueurs acryliques. D'ailleurs, il est passé où celui qui était tout seul là? Parce que je l'ai pas swatché hein, depuis. Hein. Je l'ai laissé là. Mais il est où? Je l'ai mis où? Ah, il est là. Parce que pareil, il va falloir que je le swatche, je suis là. Le fameux tout seul, là. Je lui donne un numéro. Donc. Ah oui, j'ai mon crayon. Mon crayon. Mon cahier pour mes vidéos qui est là. J'ai encore pas fini la barre d'infos de la vidéo que vous savez, là. Un jour. Là, du coup, j'ai pas fait du tout le montage du week-end. Hein. Hop, c'est Flux. Non, c'est Flux. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Alors, les papapillons, les pipillons, les... Comme ce que vous voulez, là. J'ai retouché au bois parce que Doudou m'a dit que c'était ça allait pas, hein, bien sûr. Et vu que Doudou est un grand artiste, je l'écoute. J'ai retouché un peu, mais je vais venir ombrer quelques zones encore et éclaircir d'autres. Faut que je fasse les feuilles. Et ça, là, je sais pas du tout comment je vais faire. Faut que je fasse un peu transparent quand même. Et les feuillasses, je ne sais pas non plus. Par contre, les papillons, je pense que je vais les laisser comme ça.
Je sais pas si je vais pas rajouter quelques petites paillettes dessus. Je pense que ça ferait peut-être trop. Mais là, non, je les aime vraiment beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce que ça rend. Je suis très contente du combo que j'ai utilisé. Voilà. Mon fond, bah, comme d'habitude, moi j'adore ce petit fond nuage facile à faire et tout. Voilà, donc j'arrêtais pas de vous le dire. Faites-vous un. Faites-vous ça. Faites-vous des nuages en plastique et allez-y au pastel sec. Faites-vous plaisir. Faites-nous des fonds. Voilà. D'ailleurs, il faudrait que je m'en fasse un autre avec encore d'autres formes. Voilà. Je sais pas si je vais. Non, là, ça fait pas assez. Mais je pense que je vais m'en refaire, c'est sûr. Avec une petite feuille. Voilà, je vais me plastifier une feuille à plastifier vierge. Hop. Et puis, quick, 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 je vais me faire des beaux petits nuages. Ouais, parce que là, j'aimerais bien en avoir un plus long, en fait. Là, ça va, ouais. C'est quand même sympa. Hop, je tourne, tu machin. Mais voilà, j'aimerais bien en avoir un grand format. Donc oui, celui-là, il faut que je le termine. Ça serait bien que je le termine aujourd'hui. Même si c'est pour mois de septembre. Ouais, je crois que c'est le 30 septembre, 30, 31, je sais plus quoi, qu'est-ce que ça tombe. Mais voilà. Hop, mais je pense que ça va être un de mes colos chouchou, celui-là. Je vais vraiment le kiffer. C'est le border. C'est vrai, t'es habitué. Puis vaut mieux que ce soit chez moi que chez vous, n'est-il pas? Alors, dans le Harry Potter, bah, je ne l'ai pas avancé. Je l'ai pas avancé. Donc, on a juste deux personnages de fait. Et oui, il faut que je retouche cette montre. Elle me trigger un peu, cette montre. Je trouve que c'est mal fichu, là. Puis moi, je fais ça, mais. Le Peppermate, il va jamais tenir sur le Prisma. Hein? Soyons clairs. Soyons lucides. Hop là. Donc, ouais, faudrait que je fasse le pépère, là. Je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui, si je vais alterner entre. Je sais même pas si je vais pouvoir colo ou pas. Je vais faire que je finis. Donc, on verra bien. Mais voilà, mise en cours. Je range mon bureau si possible. Là, je pense que je vais aller jouer un petit peu. Je vais aller faire mes quêtes sur Dreamlight. Voilà, merci papy. J'ai rechuté. Je vais récolter tout ça. Ah, faut que j'appelle le service enfance et jeunesse, je suis en train de penser. Ouais, je vais faire ça. Donc voilà. J'ai pas avancé. J'espère que je pourrai vous montrer pendant cette semaine bah, des avancements quand même, ça serait bien. Et que je commence un autre colo. Mais quoi? Je sais pas trop. Dans ma pack. Ma pack, ma pack. Qu'est-ce que je voudrais faire? Là, du coup, ça fait deux hors Disney. Donc ça serait bien que je fasse un petit Disney. Donc peut-être un coloriage teens. Ou galerie de portraits. Je vais peut-être relancer un challenge. Je suis en train de penser. Je vais peut-être relancer un challenge colo de la mort. Et mettre du coup pour le galerie de portrait. Comme ça, je serai obligée d'y aller. Et vu qu'il est dans ma pack. Il y en a des beaux, il y en a des relativement sains quand même dedans. Donc ouais, je vais peut-être faire ça, relancer le truc. Parce que Cassie va me saouler. Cassie va me dire, la roulette, elle revient quand? Voilà. Donc peut-être relancer ça. Comme ça, ils vont bien cramer leur point de chaîne. Hein? On va peut-être faire ça aujourd'hui. Parce que oui, il faudrait peut-être que je retourne dans du Disney un petit peu là. Parce que je vais plus savoir faire. Donc ouais. Donc voilà. Moi, je vous retrouve bah, pas demain du coup. Parce que demain. Oui, demain, je suis au centre. Demain matin. Faut que je dépose les enfants chez papy mamie. J'espère. Je vais négocier pour qu'ils me les gardent jusqu'en début d'après-midi. Liam, je sais pas s'il est entraînement ou quoi. J'ai toujours pas de nouvelles. Il prévoit là pour le plateau de samedi. Il y est pas allé là. La semaine dernière, il n'est pas allé au foot. Alors qu'il a la coupe à ramener. Mais je sais pas. Donc normalement.
Il va avoir un plateau. Mais l'entraînement, j'ai pas de nouvelles. Pour demain, j'attends confirmation pour l'entraînement. Donc, je sais pas s'il y a entraînement ou pas. Donc, ouais, faudra que je le récupère pour 3 heures, je pense, parce que ça sera peut-être 3 heures et demie. Normalement, c'est 4 heures. 4 heures et demie? Je sais même plus. C'est dingue, je sais pas. Ça me saoule. Donc, ouais. Je vais essayer de les négocier pour qu'elle me les garde un petit peu. Histoire que je mange tranquille. Que je puisse me poser 5 minutes avant d'aller les rechercher. Jeudi. Là, je suis pas au centre jeudi. Non, ça sera vendredi. Vendredi après-midi, du coup. Mais jeudi soir, j'ai la chorale de Jade. Alors, il faut que j'y sois pour 16 h. Donc, je vais quitter. Ouais, je vais prendre le live un peu plus tôt jeudi, je pense. Et bah, je serai là-bas pour 16 h et puis c'est bon. Au lieu de quitter à 16 h, de toute façon, l'école, je vais pas longtemps pour y aller. Donc, ouais, faire ça. Et vendredi, du coup, le live sera le matin. Et ils vont faire de la garderie le soir. Donc, ouais, je vais appeler le centre truc jeunesse. Oh, je sais pas ce qu'elle va me dire, mais. Et moi, du coup, je vous retrouve, je vous reprends jeudi matin. Voilà. J'espère que j'aurai avancé un peu, j'aurai colo un peu. Donc je vous fais des bisous, à tout de suite. Heureux. Si vous m'entendez, c'est bon. Ça fait un moment que j'ai pas fait de rush en fait. J'ai pas fait de rush jeudi ni vendredi dernier. Parce que bah, je jouais à Dreamlight. Désolée. Désolée. C'est de la faute à papy. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, on est lundi 27 mai. Voilà. J'ai pas colo de foufou du week-end, voilà, parce qu'il y avait plateau, tout ça. Ouais. Mais en live, on avait commencé celui-ci, voilà, qui va compter pour le thème sport de Kiran pour la course, voilà. Du coup, j'ai fini mon colo des enluminures. Je vous le montrerai bah, dans mes colos terminés. Hein, voilà, ça en fera un petit parce que bah, j'ai pas beaucoup de colos dernièrement. Hein. Je vous avais pas fait de vidéo de colo terminé pour le mois d'avril parce qu'il y en avait très peu, me semble-t-il. Bref, je sais plus trop où j'en suis. Mais celui-là, entamé. J'ai fait les swatchs de la palette White Knight que j'ai reçue à mon anniv de la part de ma sœurette d'amour. Donc, il faut encore que je plastifie, que je découpe tout ça, tout ça. Ça sera dans l'autre sens. Que je découpe et que je plastifie. Mais elles sont trop belles, je suis trop contente. Je me suis plantée quand j'ai fait le swatch sur le petit carton. Mais ça va, j'ai découpé un autre, puis j'ai recollé. Oh, vous le voyez même pas. Donc, ça va. Mais trop bien la palette. Je suis trop contente. Par contre, elle ferme pas de fou, hein. Franchement. Hein? C'est pas une qualité plus plus, hein. Le plastique, c'est fantastique, hein. Voilà. Alors. Mais est-ce que j'ai de la place pour elle dans mon petit tiroir? Bah non, hein. Va falloir que je passe de la place. Va falloir que je trouve comment réagencer tout ça. Donc ça, c'est fait. Sinon. Qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Bah, j'ai entamé un colo mystère. Bah, c'est Jade qui a choisi. Je l'ai commencé hier soir. Hop, j'ai fait ça. Du coup, au feutre acrylique. Il se pourrait que je me sois racheté une boîte aussi, que j'ai glissé. Je crois que c'est sur Temu que j'ai glissé. J'ai pris la boîte de 60 de Gangnam. Parce que là, j'ai la Zbif. De 84, les Tool Art essentiels, donc il y en a 36, les Actions, les Wifocent, 30, les 30 Wifocent. Donc, et là je suis un peu, enfin voilà, il manque encore quelques teintes. Celle-ci je l'avais pas, donc j'ai pas encore choisi, j'ai encore pas toutes mes couleurs pour le colo, mais bon, je l'ai bien entamé. Hein. Donc voilà. Oh. Ouais, je rentre d'Amiens
pour vendre Vinted en main propre. Mais elle m'a saoulée, mamie. Elle voulait encore que je brade mes bouquins. Je les ai déjà vachement bradés. Ils sont neufs, je les ai jamais lus. Ils sont à 7,60 €. C'est des Hugo romans poche, des Hugo poche. Je les vends à 3 balles, c'est déjà. Hein? Ça va aller, oui. Ah, mais madame d'en face, oui, bah, va voir madame d'en face. Et madame d'en face, elle te les vend moins cher. Moi, c'est pas mon problème, hein, c'est le sien. Moi, c'est bon, hein, je les ai pas lus, ils sont neufs. Moi, j'ai envie de. Voilà. Ah, elle m'a saoulée. En plus, je me suis fait saucer, quoi. Y a pas plus ce matin. Et pile au moment où j'arrive, je prends la route, bam. Allez, rabasse. Du coup, bah, je lui avais donné rendez-vous devant Martel. Donc, j'ai fait un petit tour à Martel. À la base, je voulais m'acheter le Molotov chrome. Mais ils ont que des Molotov noirs. Voilà. Donc, il n'y a pas de chrome, rien. Donc, mais moi, j'avais déjà mis celui-là dans mon petit sac. Donc, j'ai hésité. J'ai tripoté le fée sorcière, je sais pas quoi, là. Il n'est pas vieux non plus, celui-là. Mais c'était de William Ball, me semble-t-il. Et j'ai vu que dans celui-ci, les zones blanches sont blanches. Alors là, moi, je plus sois. Je suis. Wow, je suis joie. Donc voilà, j'ai reposé l'autre parce que c'était pas le cas. Voilà. Moi, j'aime quand les zones blanches sont blanches. Voilà. Donc merci, Jérémy Mariez. Mais pourtant, dans le tome 11, ça n'a pas été réitéré. Ce n'est pas bien du tout. Mais bon, comme d'habitude, hein, les partenaires achètent, ne doivent pas remonter les infos. Ou voilà, elles sont contentes, elles ont leur bouquin. Et puis voilà. Mais moi, je trouve ça. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve ça mieux quand c'est blanc. Enfin, je sais pas. C'est relou à recouvrir, ça fait tache. On voit les. Enfin. Après, les gens disent, ah bah oui, mais sinon après on sait ce que c'est, bah, même sans le blanc, quoi, je veux dire, tu vois le colo, tu sais que c'est saoul, là, hein, ça se voit. Il y a un moment, ça se voit. Quel colo et quoi? Celui-là, il est dans ce sens-là. C'est un néant de. Ah, je sais pas comment il s'appelle, c'est un vieux, là. Je sais pas si c'est pas Maurice. Mais on voit les couleurs, les colos, il n'y a plus de mystère. Ben, tu vois, c'est Maurice. Ah, voilà. Donc non, ça c'est Aurore, et puis je ne sais pas si c'est Philippe son roi, son prince, là. Enfin, on voit ce que c'est, il y a un moment, arrêtez de dire, oh, c'est... Non, mettez-nous les zones blanches et les traits moins foncés. Nom de Dieu. Oh! Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que maintenant il y a plein de partenaires achètent. On voit la même chose sur toutes les chaînes. Mais vraiment, elles ont toutes les mêmes. Elles reçoivent tous les mêmes trucs. Alors que c'est des trucs qui les intéressent pas forcément, je suis sûre. C'est pas des trucs où elles vont colorier. Où... Je me calme. Mais enfin, je sais pas. Achète, faites des partenariats intelligents. Envoyez des bouquins aux personnes. La cible. Il y a une meuf, elle fait du coloriage mystère, on lui envoie des colos mystères. Il y a une meuf, elle fait pas de colos mystère, mais elle fait du hors Disney ou machin, mais envoyez quelque chose qui correspond. Mais non, quoi. Là, je vois les livres sur les cristaux, les machins, elles ont reçu ça. Est-ce qu'elles vont colo dedans? Arrêtez, arrêtez. Oui, la vidéo, oui, c'est beau, c'est machin. Non, mais, hé. Arrêtez de nous prendre pour des jambons, hein. Bref, moi, ça m'énerve. J'ai pas de filtre. Moi, voilà, je pense quelque chose, je vais vous le dire. Je vais pas. Hein, j'ai reçu le truc gratuit. Gnagnagna. Non, mais il y a un moment, non, quoi. Enfin, t'as reçu le truc. Ouais, c'est cool. Mais en même temps, t'es pas payé ou quoi que ce soit. Donc, enfin, donne ton avis et le vrai. Enfin, il y a un moment. Dire que c'est beau, que c'est magnifique, que c'est inédit. Non? Le papier, si c'est du papier de merde, c'est du papier de merde. Hein, ça changera rien. Hein. Mais celui-là, je suis contente d'être retournée dedans finalement parce qu'il est vraiment simple. Ça va vraiment être sans prise de tête celui-là. Et c'est pas. Les traits sont pas foncés. Par contre, est-ce qu'il y a du blanc dans certains? J'ai envie d'éternuer. Oh, mes éternuements sont ridicules. Tiens, elle a de. Dans le 99, il y a un peu de blanc. On va aller voir. Comment il est dans celui-là? J'ai regardé le Babies aussi, mais c'était bizarre, c'était des ronds.
Ouais, c'est blanc. Eh ben, celui-là, il est tip-top. Voilà. Je vous le conseille, le Girl Power. Voilà. Je vous le conseille. Il est simple, il n'y a pas trop de couleurs. On voit bien les choses. Et là, même là, vous voyez qui c'est, quoi. Les sœurs à. C'est les. Non, c'est pas les sœurs à. C'est les trois blondasses, là, dans le. Dans. Belle. La Belle et la Bête. Mais on voit ce que c'est. Arrêtez de dire que mystère. Si vous voulez ça, il faut prendre un trompe-l'œil. Là, on voit très bien que c'est Tiana. Mystère de quoi? Ça se voit. Zootopie, elle, je la connais pas par contre. Mais on voit qui c'est. Mais je la connais pas. Pourquoi? Pocahontas. Oui, j'avais fait celui-ci. C'est ma petite Millie qui me l'avait offert celui-là. Tiens, d'ailleurs, faudrait que je colle son petit. Je scotche son petit mot. J'aime bien garder les petits mots, moi. Quand tu en as. Hop là. Voilà. Donc voilà. J'ai fait une petite sortie. Et du coup, 14,95. Ouais. Ah oui, je l'ai acheté à Martel. De toute façon, il a pris un peu la flotte. Alors qu'il sèche un peu le coco. Parce que oui, il pleut. Il pleut fort. Et je l'ai mis dans mon sac avec mon parapluie comme une godiche que je suis. Hop! Un de plus. Mais oui, je sais, c'est pas bien. Mais en même temps, voilà, Kirby, il sort en rien, là. Sinon, j'achèterais hein, du Kirby. Et je me tâte, du coup, pour mes Light Pass. Franchement, je me tâte. Je sais pas ce que je fais si je me les prends. Je vais attendre le mois prochain. Là, je vais peut-être passer une petite commande chez. Chez Mathilde, comptoir d'aquarelle. Il y a des petites promos voilà, sur les fins de stock. Je vais voir. Je vais prendre les violets qui me manquent. J'ai fait une liste hier soir, je sais plus ce que j'en ai fait déjà. Oh, tu coules, toi? Demain matin, il faudrait que j'aille à Action. Ouais, je sais pas ce que j'en ai fait. J'avais noté quelque part, c'est sûr. Je sais pas. Bon, je vais continuer ça un petit peu. N'est-il point? Le 1, c'est du noir. Il fait pas aussi noir que la page 6, c'est du noir. Mais bon, je mettrai le noir en dernier. J'étais en train de faire quelle couleur? Celui-là, là. Le 6. Est-ce qu'il y en a encore? Une toute petite partie, c'est chaud. Je regarde la photo parce que l'image de ref. Je ne vois plus de 6, il y a du 7. Le 7, c'est quoi? Le 7, c'est le Action 21. C'est celui-là, le 7.
Je vais vous laisser ici. Je vous fais des bisous et oui, on se retrouve bientôt pour un autre vlog. Mais je pense que celui-là, je vais faire une double couche aussi. Là, il y a des endroits, c'est plus clair que d'autres. Mais ça va, le rendu est pas dégueulasse. Des gros bisous tout le monde. Prenez soin de vous. Et bah, à bientôt pour un prochain vlog et d'autres vidéos. Ciao! Prenez soin de vous!